Bonjour à tous, regardez, avec l'équipe on a décidé en fait de faire un petit peu des petites vidéos pour le montage de mouches, donc vraiment pour vous présenter un petit peu toutes les bases puis des conseils en fait pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le montage de mouches. Donc si vous voulez, dans ce premier épisode on va vous parler, si vous voulez, des étaux, donc vous présenter un petit peu les différences entre les différents types d'étaux, pourquoi il y a des prix qui varient autant aussi d'une vingtaine de dollars jusqu'à plus de 1000 dollars si on cherche bien. Donc si vous voulez, c'est ça. Ce qui fait un petit peu la différence de votre étau, souvent c'est quand même la qualité de l'acier. La qualité d'acier va faire vraiment en sorte que vous allez avoir une grosse différence au niveau du serrage d'hameçon. Donc que votre hameçon soit vraiment bien fixe dans votre étau, qu'il ne bouge pas quand vous montez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Puis souvent, les étaux vraiment entrée de gamme, c'est un petit peu leur défaut. Donc je vous dirais, après vous allez avoir comme trois grandes familles d'étaux. Vous allez avoir les étaux fixes comme ça, donc en fait où votre mâchoire justement n'est pas rotative, donc vraiment si jamais mettons vous avez besoin de retourner votre mouche ou peu importe, va falloir que vous desserriez votre mâchoire pour pouvoir la réajuster ou la tourner. Vous avez ensuite de ça les étaux rotatifs comme ça. Donc eux, vous voyez justement, on est capable de faire tourner notre mouche. La seule chose, c'est que généralement vous voyez, vu qu'on n'est pas centré, dès que vous allez la retourner, la mouche va être comme un petit peu de travers. Donc des fois, ça peut être un petit peu moins facile pour refaire par exemple la gorge, le dessous d'une mouche, mais c'est quand même de quoi de très pratique. Et dernière étape, je vous dirais en fait un petit peu dernière, les modèles plus haut de gamme, ça va être ce qu'on appelle des étaux full rotatifs. Donc vous voyez, cela, le gros avantage en fait, c'est que votre mouche est placée sur l'axe du bras de votre étau. Donc quand vous la tournez comme ça, elle reste vraiment sur le même axe. Donc on est capable souvent en fait un petit peu, en attachant vos matériaux, de pouvoir les enrouler en tournant en fait comme ça notre étau, puis en avançant notre main comme ça, ça va vraiment s'enrouler sur toute notre mouche plutôt que de les enrouler à la main. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment la version un petit peu plus haut de gamme. C'est le genre d'étau, mettons, que vous n'aurez pas forcément besoin de racheter une fois que vous aurez un peu ce système-là. C'est des modèles vraiment qui vont avoir beaucoup plus de réglages. Vous voyez celle-là, par exemple, on est capable de gérer un petit peu la hauteur de notre hameçon ici. On a là justement de la tension, par exemple, pour faire en sorte que la rotation soit plus ou moins douce. Puis après, vous allez avoir des modèles, des fois même encore plus haut de gamme, où ce bras-là peut s'incliner plus ou moins. Donc, dès qu'on est dans les étaux full rotatifs, c'est ça, c'est vraiment des fois beaucoup plus de réglages. Après, je vous dirais, quelque chose qui va être important aussi, c'est de pouvoir les avoir soit avec ce qu'on appelle une clamp, donc vraiment, vous voyez quelque chose qui va venir s'attacher sur le bord de la table comme ça, ou vraiment plus une base. Donc les deux options sont bonnes, je vous dirais, ça c'est vraiment plus une question de goût. Moi, ce que je préfère vraiment des modèles à base, c'est que d'une, on est un petit peu plus en retrait, donc on peut à côté un petit peu nos avant-bras. Quand on taille nos matériaux aussi, tout tombe sur la table plutôt qu'à terre, donc ça, je vous dirais, c'est un petit goût personnel. Puis c'est d'être capable de le déplacer vraiment sur votre table quand vous avez besoin. Donc moi, je trouve que la base, honnêtement, est vraiment une très très bonne option. Quelqu'un qui recherche vraiment de quoi de très très stable, c'est sûr que la clamp pour ça est vraiment parfaite, parce que c'est vraiment très très solide, là, ça bougera pas du tout. Donc vous avez différentes possibilités comme ça. Des fois les modèles à clamp sont un petit peu moins chers aussi, en fonction des compagnies, mais ça peut varier. Sinon, je vous dirais, quelque chose qui va être très important au niveau de vos étaux quand vous allez les magasiner, c'est un petit peu la grosseur d'hameçon que vous voulez monter. Généralement, pas mal tous les étaux, vous allez avoir en fait capable de prendre toutes les tailles un petit peu standard. Mais sur certains étaux, vous êtes capable des fois de monter beaucoup plus petit ou beaucoup plus gros, ou certains des fois sont capables de faire les deux aussi. Donc par exemple, vous voyez les Griffin comme ça, ou les Dynaking, c'est deux compagnies par exemple qui ont l'avantage d'être capable de monter aussi bien des très petits hameçons que des très très gros hameçons. Alors que d'autres, par exemple, des fois, vous voyez, on va être capable par exemple avec ce genre de mâchoire-là de monter des très petites mouches, mais dès qu'on va monter dans des 1-0, 2-0, tout ça, on atteint vraiment les limites de l'étau. Donc ça, je vous dirais de vraiment voir un petit peu quelle grosseur de mouche vous allez monter, puis de choisir un petit peu votre étau en fonction de ça, ça va être vraiment important. Donc la taille d'hameçon, je vous dirais, que vous allez faire, c'est parfait. Sinon, je vous dirais, on a pas mal vu un petit peu tous les détails des étaux. Donc on va se revoir dans des prochains épisodes pour vous présenter la suite du cours de montage de mouche. Merci à tous.